Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de No Man's Sky. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts, les amis, à découvrir la suite. Alors là, je suis content, on vient d'avoir une batterie. Alors, je me suis fait agresser par un monstre, je sais, j'ai poussé des cris, mais c'est vrai qu'en fait, c'était surprenant. Il est plus là, je crois qu'il est plus là, il est parti, tranquillou. Alors, ah, ça, est-ce qu'on a ça? Donc il nous reste deux petits monstres à trouver dans cette planète. Donc je tiens bien les trouver pour avoir les 175 000, pas simples bien entendu, mais unités. Oh, attendez. J'ai peur que je n'arrive plus à monter après. Parce qu'il y a moyen... Ça fait tout blanc. C'est vrai que j'ai le chic. Là franchement, j'ai vraiment pas de balles. Quoique, on va dire que je préfère retomber sur ce genre de planète qu'une planète toxique. Ah, je vous ai déjà expliqué la raison. C'est une planète toxique. Je pense que vous allez avoir moins de chance. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas chanceux à ce niveau-là. Donc, je peux crafter des choses si je veux pour m'aider à trouver des monolithes, tout ça. Il est où mon vaisseau? Il est déjà perdu. J'ai perdu mon vaisseau, les amis. Comment j'ai fait mon compte? Wow. En fait, c'est moi ou c'est tout blanc? Pourquoi tu me le signales pas, mon vaisseau, il est où? Ah, il est là-haut. Oh purée, je m'égarais là. Franchement, je m'égarais au point de mon vaisseau. Donc, il est là. Ah ouais, je sais pas comment j'ai fait pour ton partir... Ok, ça c'est déjà découvert, il y a des monstres bizarres. Ah, il est là le truc. Ah, regardez, il me court après. Regardez, vite. Écoutez, on va se tirer de là avant que je me fasse manger, moi. Ok. C'est qu'en fait... Voilà pourquoi je suis pas resté sur l'autre planète, c'est que c'est vraiment infini. Vous pouvez faire tout le tour de la planète. C'est horrible comme truc parce que j'adore explorer, mais il me faut quand même une petite limite, je sais pas vous. Parce que si on me donne la possibilité de tout explorer, je suis parti pour explorer la planète pendant 107 ans. Et je n'aurais pas fait un très bon let's play. Voilà. Ok. Ah, il y a vraiment un truc là-bas. Ok. Ça, c'est déjà découvert. Je sais pas où on va les découvrir, les autres, mais... Ok. Je vais d'abord prendre ça. C'est un abri. Un nouvel abri, les amis. Mais c'est vrai que je sais pas c'est quoi enfin c'est combien le prix. Rien n'a été trouvé. Ok. Y'a vraiment pas de bol, non seulement y'a rien. Ah putain, on entend bien le bruit de la neige, rien n'a été trouvé. Ah là il y en avait. Bonjour. Unités. Alors voyons voir si j'ai bien compris ce système, moi. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. 99, 92, 86, 81. Alors, le prochain code serait... Je pense que ce serait l'un des deux. Sachant que 81, 86... Alors, 92. Oui, c'était le bon. Signal de détresse détecté, les amis. Mais c'est vrai que la luminosité, elle est vraiment flashy, hein. Planescape. D'accord. Bon, on finit d'explorer le bâtiment. Donc, on va aller derrière. Voir le petit entrepôt. Et on va aller au signal de détresse, tranquillou.
J'espère un vaisseau plus gros. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir un nouveau vaisseau en fait pour cet épisode de Let's Play. Juste de faire tourner, mince. Nom de Zeus. Ah, ici. Ah, impossible encore Max. Attendez. On va d'abord faire le ménage. Ça, je peux pas. Même le plutonium, mais je peux pas, c'est ça que j'aurais à me dire. La guerre en main. C'est quoi? C'est une pièce d'ordinateur des échanges. Je ne sais pas, moi. Non, c'est une pipe en bois. Bon, écoutez, on va le jeter. Il me faut ma nanite. Et on va la donner. Normalement, ça, je peux la transférer. On peut pas ramasser les objets qu'on a fait tomber? Non? Non? Bande d'impolis. Bande de malfaisants. Bande d'escrocs. Voilà, maintenant, on va aller... terminal de la station spatiale. Ouais, donc ça, c'est la station spatiale au loin. Mais j'arrive pas à me dire... En fait, j'ai du mal à... C'est vrai, hein. C'est que la base, c'est la planète, hein. Vous avez notre base et tout. Et j'arrive pas à me dire que... Mais qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il l'a tué. Il y a eu un meurtre sous mes yeux, les amis. Là, il y a l'air d'avoir des cavernes de dingue. Et en fait, j'arrive pas à me dire que là-haut, c'est ma base, en fait, c'est ma planète. C'est de là où on a débuté tout ce let's play, en fait. Et du coup, ça fait bizarre, vous savez. Pas habitué à avoir un jeu comme ça qui vous emmène au loin. Et on n'a pas fini, parce que bon, on va devoir, comme je vous l'ai dit, aller au centre de l'univers, de la galaxie, donc... Épave de vaisseau. En fait, que c'est un punaise de vaisseau. Vous avez vu le beau langage que j'ai eu là? Un punaise de vaisseau, ouais. Super. Allez, voyons voir ça. Waouh. Alors, je crois que je peux me faire agresser. Il y a une bête pas loin. Le problème, moi, c'est les... Aïe. Attendez, ça, je crois que j'ai jamais vu. Il va venir me choper, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Ça, je l'avais pas vu pourtant. Si. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a pas mal de choses ici. Plaque de bladage. Ok, cool. Alors, qu'est-ce que c'est que ce vaisseau? C'est le Dazawazajami. Et voyons voir... Alors, j'espère que je vais pas me faire attaquer. Waouh, 27 cases, les amis. Ah oui, il est 27 cases, quoi. Donc, je vais le comparer avec le mien. Moi, j'ai un 15 cases actuellement. Là, ça a 27 cases. Du coup, ça me fait... Si je... Allez, je vais le prendre. C'est un B, bouclier plus 4. Ah oui, il est beaucoup mieux. Je le prends. Il est où mon vaisseau? Il est là. Donc ça maintenant c'est mon vaisseau. C'est mon vaisseau. Par contre... Est-ce qu'on pouvait choper les pièces pour les transférer, non? Je crois que j'ai fait une bêtise là. Parce qu'en fait, moi j'ai tout ça là. Comment je fais pour transférer? Comment je fais transférer objet? Ah bah voilà, comme ça. Ça on peut pas. L'inventaire est plein. J'ai trouvé comment on fait, cela dit. Donc on va d'abord réparer cette merveille. On va la réparer. Il faut de l'iridium, la feuille de karmite, le facteur
du tissu. Ah, mais c'était peut-être pas une bonne idée de le réparer là, les amis. Il me faut un résonateur dynamique. Ah, c'était pas une bonne idée. Ce vaisseau est trop... Ah, ça a rien transféré. En fait, là, il me faut un résonateur. Cette technologie est dans un état critique. Iridium, j'en ai. Il en faut 200. J'en ai 500. Il me faut une feuille de carite. Et c'est ce résonateur dynamique qui m'inquiète, en fait. Parce que le tissu, je crois qu'on peut le créer. Le platine, on peut le trouver. De toute façon, j'en ai 300. C'est pas ça le problème. Le problème, ça va être ça. Ça va être le résonateur. Alors, attendez. Ce qu'on va faire, c'est que logiquement, je peux craft des choses. Moi, je peux craft quoi? Fabriquer produit. Moi, je peux fabriquer. Ça, il me faut du platine. J'en ai. Cellule. Mais j'ai pas le. Ah ouais, ça m'embête, ça, en fait. Parce que là, c'est un vaisseau de la mort, hein, on est d'accord. Hein. C'est un vaisseau de la mort, mais. Voilà, j'ai repris mon vaisseau. Le souci, c'est ça, c'est que... Ah là 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 là. Là, c'est la balise de détresse. Nouvelle technologie découverte. Il me faut de l'iridium. Je crois pas que... Ah là 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 là. En fait, ça doit s'acheter, ça. Et c'est vraiment dommage parce que je le veux. Il me plaît bien ce vaisseau, en fait. Mais ce qui ne me plaît pas, c'est la fabrication actuelle. Je ne sais pas comment avoir ce truc. Alors attendez. Je vais aller regarder sur internet. Pour ça, pourquoi je peux plus voir? C'est alors d'après ce que j'ai compris, on peut l'acheter. Nouveau vaisseau acheté. Nouveau vaisseau acheté. Nouveau vaisseau acheté. Est-ce que j'ai la possibilité d'avoir une balise dans ce secteur-ci ou pas? Je crois pas que je l'aurai. Ah, ça m'embête. Ça m'embête de laisser là le petit. Sincèrement, ça m'embête vraiment. Ce que je vais faire là, c'est que... Non, on va d'abord appuyer sur ça pour les découvertes. Ah là 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 là, dur choix, hein, franchement. Voilà. Ah, mais c'est pénible. Parce que... Étape du voyage atteinte. Entrepreneur, gagné 150 384. Mais c'est ça, mais... Mais en fait, là, ce qui m'embête vraiment, c'est... Ah ! C'est qu'en fait, on vous met des vaisseaux et vous pouvez pas les prendre. Faut que je me rappelle de ce secteur, là. Ah, carburant insuffisant. Il est où, le carburant ? C'est ça, il me semble.
Est-ce qu'on voit ou pas? Je suis à peine réveillé que je l'ai déjà perdu le vaisseau. Hein. Ah, je crois qu'il est là. Vous savez quoi? Je le veux trop. On va quitter la planète. On reviendra. J'espère le trouver. J'espère sincèrement le trouver. Mais on va quitter la planète. On va aller dans cette station, les amis. Et pour voir au moins les prix être fixés et ce qu'il faut que je farme. Parce que là, ça va pas le faire sinon. Allez hop, vitesse lumière direct. Hein, on va pas chipoter. Bah oui, mais regardez, même un résonateur dynamique, je dois en acheter deux, mais c'est ça, ça coûte super cher. Ah non, Loulou, pas tout de suite. Je suis dans l'hyperespace. Après. Non, pas tout de suite. Il me dit tout de suite, mais non. La distance qu'on a parcourue. Je crois qu'on va frôler la planète. Et là, on s'approche tout doucement de notre planète. Hein. Ça fait trop bizarre. En tout cas, c'est excellent l'effet. Hein. On frôle. Waouh. Na. C'était pas là que je voulais. Allez. Oh, regardez, il y a l'océan! Vous avez vu l'océan? Et là, il y a un portail. Des portails. Wouah, c'est trop bien! Par contre, il y a 50 000 planètes. Du coup, maintenant, je sais même plus c'est laquelle ma planète. Hors de la planète. Wouah! Waouh! C'est ça la station? Alors on a frôlé cette planète. Et j'y ai de loin par rapport à l'autre planète, non? Vous trouvez pas? Donc on va se rendre à la station, les amis. Désolé, hein, j'ai dû faire un petit détour pour mon screen. Donc c'est un truc triangulaire. Donc attention à quoi? À ma vitesse peut-être? Ah oui, c'est ça ma vitesse. Je pense que ça a aucun effet de toute façon. Quoi que j'arrive, ça va me faire un... Alors, qu'est-ce que ça va faire? Oh là 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 là, j'ai peur. Attention. Wow. Alors si ça se trouve, ça c'est une station Corvax, hein, vu qu'on est dans leur système. Ouais, on va aller plutôt dans ce côté-là. Là, c'est dommage, on voit pas nos pieds là. Ah ouais, voilà, des Corvax. En veux-tu, en voilà, il y en a plein. Oh, attendez, j'ai l'impression d'avoir un accueil de malade ou qui m'aime pas. Le narine du guerrier famille à mon approche, il aspire professionnellement et aboie ce qui pourrait être un avertissement. Je me déplace de mini, mais on paie, je vais me mal, c'est un aspect, c'est sa langue. Il réfléchit une seconde, il attrape soudain mon multi-outil en aboyant devant ma visière, l'aspergeant de salive. Il désigne l'indicateur faisant les éléments que je transporte. Je m'efforce de rester calme.
Le guerrier grogne. Il m'enseigne quelques mots de la langue de son peuple. J'ai appris important en vire de vire truc. En week-end. C'est vraiment toi? Pardonne-moi, ça fait si longtemps que je cherche. On m'a engagé pour t'aider pendant ce cycle et tous les autres. Ne t'en fais pas, tout a été payé il y a longtemps, tout se déroule selon les règles. Tandis que l'étranger parle, je suis assailli par une odeur. Des phéromones infestent mon esprit et créent des souvenirs de lieux que je n'ai jamais visités. De choses que je n'ai jamais faites. Des souvenirs de mon reflet dans un miroir âgé et seul. De ce geek tenant ses frères tombés d'un accord passé il y a des années. De cela, un contrat signé à travers le cosmos. La vision prend fin. Reste le superviseur. Le superviseur promet d'agrandir ma base, me permettant de recruter d'autres travailleurs. Il a besoin d'un terminal de construction pour commencer. Ok, donc je viens de recruter lui. Je viens de recruter, je crois, un gars pour ma base. Donc attendez, si j'en crois la fenêtre de mon journal, là, ma mission secondaire, ben, je l'ai fini en fait. C'était construire la base, c'est vrai qu'elle est partie. Alors, Monion, Corvax, une énergie. La forme de l'électronique, le corps émet des bourdonnements de petits arcs électriques jaillissant dans son casque et ses épaules. Elle tressaute et se tremble. Elle a besoin d'aide. Elle tend la main pour serrer la mienne. Je lève le bras inténé en guise de réponse, mais le bon sens me pousse à faire preuve de prudence. Un santé. La forme de vie lance une décharge électrique dans mon corps. La douleur est intense. Elle me remercie avec un cadeau. Ah. Non, me fais pas ça. Me fais pas ça. Oh, j'ai plus de fer, les amis. J'ai plus de fer. Multi-outil. Je dois peut-être recharger ça. Donc, si je peux donner mon. Voilà. Est-ce que j'ai une place maintenant? J'ai une place. Eh, mon frère. Troquer sans platine. Faible, encore max. Ok. Mince, j'ai pas eu ce qu'il voulait me donner en fait, je suis dégoûté. Est-ce que c'est à toi que je dois acheter, s'il te plaît? Ah oui, c'est en anite en plus, si ça se trouve. C'est pas ça, c'est pas ici. Comment je quitte ça? Ah voilà, clic droit. Donc c'est pas ici. Ah ça là. Alors les amis, combien ça coûte ce truc? Acheter, d'accord. Donc là j'en ai acheté deux et construisez l'hyper propulsion. Accéder l'hyper propulsion, je dois le construire où? Alors attendez, accéder à l'inventaire du vaisseau et fabriquer, installer l'hyper propulsion. Utiliser, ah oui, mais oui, ben voilà. En fait, j'en avais pas besoin d'en acheter deux, les amis. Ben oui, ben voilà, parce que je dois le construire. Et il y avait le vaisseau. Il y avait le fucking vaisseau là-bas. Ce que je vais faire dans ces cas-là. Ça, c'est des joueurs, ça, je crois. C'est des joueurs. On va aller voir l'autre côté de la station spatiale. Et je pense qu'on va retourner sur la planète pour le vaisseau. Parce que je le veux. Simplement, j'espère qu'on va le retrouver. C'est vraiment des joueurs, c'est puissant leur vaisseau. De toute façon, on avait des choses à régler dans la planète encore. Hein. Je tiens à le redire, à le repréciser. Alors lui, qu'est-ce qu'il veut? Anuma. Ah bah rien. Ok, on va reprendre le vaisseau. Utiliser un emplacement pour gagner de la place pour la cargaison. Technologie, je crois que c'est dans mon ex-combinaison.
Ah non, pas de bol là. Alors je crois que de toute façon, c'est derrière. C'est derrière cette planète, je crois. On va essayer de la retrouver. C'est là-bas. Je crois que c'est cette planète. Hein. C'est dur à me piloter quand on est en hyperespace, les amis. C'est bien celle-ci. Donc on va y retourner. Et j'espère le trouver, ce vaisseau. Ça, il me refaut du fer et tout, donc je vais profiter pour farmer. Ah mince. Bon, on va mettre... Attendez. Ah, mais c'est pas possible. C'est pas possible cet inventaire. Oui, j'ai besoin de l'autre en fait. Hein. Impérativement, j'ai besoin de... Il se fout de moi. Putain, j'aurais dû revendre des trucs là. J'avais une granite, j'avais ça. J'avais des choses à revendre et je l'ai pas fait. Pourquoi ne l'ai-je pas fait? Ah, c'est tout moi ça. Alors attendez. On va voir si ça marche. Voilà, du fer. Comment ça, j'ai déjà tout pris? On peut comprendre que 9. Ah ouais, non mais technologie rechargée, toi t'es marrant, toi, t'as fait l'école du rire. Il a fait l'école du rire. Alors. Ça m'en prend là ou quoi? J'ai pas tout compris. Donc moi c'est bien cette planète, je vais y retourner. Je suis en train de faire n'importe quoi, vous allez voir, je vais tout gâcher mes munitions moi. Je sais. On est rechargé, on y retourne, les amis. Ouais, là, il va me falloir pas mal de fer. Et j'espère retomber dessus, punaise. Si je pourrais avoir le vaisseau, je serais super heureux, les amis. Je pense que dans l'autre épisode, on le rafistolera. Elle n'était con, n'est qu'aux cordes. Pitié, faites qu'on retombe dans le bon truc. Il y a intérêt. Maintenant, va-t'en le retrouver, le truc. Va-t'en retrouver le bazar. C'était près d'une montagne. Mais où?
Si je le retrouve, ce serait cool, mais à mon avis, je vais pas le retrouver. Parce qu'en fait, on n'a pas de... Alors attendez, est-ce que si j'appuie sur ça, est-ce que je peux me TP? Envoyer, renommer, envoyer les dégâts. Est-ce que je peux pas faire... Qu'est-ce que j'ai fait? Plaine. Est-ce que c'est à côté, Plaine Suska? Écoutez, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et on partira la semaine prochaine, enfin cette semaine, à la suite. Ah bah comme par hasard, c'est un monolithe. Problème, c'est est-ce que j'ai de l'espace? C'est ça en fait maintenant le souci. Le souci ça va être ça, c'est j'ai plus d'espace, alors du coup c'est pour ça l'autre vaisseau. Ah là 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 là! Inventaire de l'exo combinaison. Ça c'est dans l'autre truc j'ai mis. Ok, on va essayer, on va tenter. Je vois le réacteur de mon vaisseau. L'écho, les enfers, demander de l'aide pour comprendre la langue. Ok, intelligence en Corvax. C'est tout. En fait, il m'en faut un autre parce que... Attendez. Je crois que je peux me repérer d'une façon ou d'une autre via une base. Ouais, je vais réussir. Mais on fera ça là. Cette semaine. Ah bah non, c'est encore un monument. Ah, décidément. Il y a beaucoup de monolithes ici. En fait, ils veulent pas que je quitte le jeu. C'est vrai en plus, hein. Je suis sûr que c'est ça. Demander l'aide. Hop, la langue. Moi, je lis pas parce qu'ils disent toujours la même chose là. Mot forme de vie. Ok, allez, on repart. Je crois que si on voit la planète là, il est possible que nous étions plus vers là-bas. Après, c'est possible qu'on n'était pas là du tout. J'arrive pas à reconnaître les lieux. Parce que vous vous souvenez, on partait dans la direction de la planète qui était là-bas pour quitter en fait le système. Mais si ça se trouve, il est où? Si ça se trouve, c'était pas là du tout, quoi. Et ça, c'est quoi les deux traits? On va essayer d'aller voir. Ah, je crois que là, c'est mort, hein. Je peux pas retrouver. Si vous avez des informations concernant la possibilité de retrouver le vaisseau que j'ai trouvé, je vous en serais très, très reconnaissant. Ah, parce que là, franchement, je suis paumé. Et je ne sais pas où il est, j'ai pas. On va aller voir là-bas. Mais je regarderai en fonction de la vidéo et j'essaierai de le trouver. Ah bah là, on va peut-être pouvoir améliorer l'inventaire. C'est pas mal. Voilà. Alors. On prend ce point et je vais aller voir l'inventaire, combien ça coûte.
Oh non, il y a encore ça. Dites-moi qu'il y a possibilité de, d'ouvrir ici. Alors, améliorer l'inventaire. Ouais, 20 000 unis. Je préfère ça parce que là, je suis vraiment à court. Je vais resave. Il est où le vaisseau? Il est là. Bon, en tout cas, les amis, c'est ici qu'on va se quitter pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On a vu un peu de variété. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour la suite. Et surtout, portez-vous bien. Bye bye. Je me sens pas safe. Ouh, ouh. Oh, je t'ai écrasé, petit bébé tout mignon. Nanana, je voulais rien faire de mal. Nanana, tu m'attaques pas. Portez-vous bien.